de Dieu. Ce matin, l'homme de Dieu a donné un message où il a parlé des principes pour une prière efficace. Il nous a fortement béni ce matin, Père de Dieu. Il nous a donné les principes pour une prière efficace. Mais moi, je vais te parler de l'avantage et des bénéfices de la prière. D'abord, ce que tu dois savoir, c'est que la prière a un chemin. Je prends un exemple, lorsque je veux m'établir un certificat de nationalité, il y a des dossiers que je dois fournir. Il y a des bureaux où je dois rentrer, il y a où je dois sortir. Il y a des signatures qui doivent être posées. C'est lorsque toutes les formalités sont remplies, c'est en ce moment que je rentre possession du certificat de nationalité. Donc tu ne peux pas rentrer en possession d'un dossier administratif si tu n'as pas respecté les données. Tu peux même violer les règles. Mais peut-être Dieu, si tu as violé les règles, tu dois qu'on finira par t'attraper. Et quand on t'attrape, il y a une peine pour cela, peut-être Dieu. C'est la même chose que la prière. Lorsque tu veux demander quelque chose à Dieu, il y a une voie que tu dois prêter. Ceux qui ont pour habitude de suivre les directions dans les ministères, la direction a un chemin, peut-être Dieu. Mais malheureusement, le peuple de la reine, j'ai l'impression que ce peuple ne s'intéresse pas trop à la direction. Mais ce que tu dois savoir, c'est que la prière que tu n'arrives pas à faire chez toi à la maison, par la direction, tu peux commencer à prier, peuple de Dieu. Peut-être que toute la semaine, tu t'es chargé. Mais les dimanches au moins, ça, si tu t'amènes ici à 8h, tu peux au moins bénéficier de la prière. Peut-être que l'exorcement, ton sujet, Dieu veut tellement te bénir que tu cherches l'occasion pour te pousser dans la prière. Et étant dans la direction, l'Éternel va permettre que ton sujet puisse être abordé par les dirigeants du jour. Et après la prière, tu vas recevoir automatiquement l'exorcement de ta prière. Mais tu ne veux jamais. Tu viens seulement pour écouter la prédication. Je prie que ta bénédiction soit à ce niveau. Comme je le disais, peuple de Dieu, la prière a un chemin. La fois passée, j'ai déjà défini la prière. J'ai dit prier, c'est parler à Dieu. J'ai dit aussi qu'il y a plusieurs sortes de prières. Mais aujourd'hui, on ne va pas revenir sur tout cela. Aujourd'hui, peuple de Dieu, la seule chose que je peux te dire en dehors de mon terme, c'est que la prière a un chemin. Et le chemin de la prière, peuple de Dieu, s'établit en 10 points. Mais ce matin, il n'est pas question de ça. Ce matin, il est question de te parler des bénéfices de la prière. C'est pour ensemble, peuple de Dieu, nous allons prendre notre livre, notre Bible, dans le livre de Actes, chapitre 12, verset 1er à 29. D'abord, la Bible dit dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 7. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça? Matthieu 7, verset 7. Verset 7, je lis la parole de Dieu. S'il vous plaît, pour l'aspect de la parole, on peut se tenir debout, s'il vous plaît. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Alléluia. Vous savez, peuple de Dieu, depuis premièrement, la Bible dit ceci. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Ensuite, la Bible dit, cherchez et vous trouverez. Et en troisième condition, la Bible dit, frappez et l'on vous ouvrira, peuple de Dieu. Il dit, je peux m'expliquer en cet homme dès la tête, peuple de Dieu. Ce que tu dois savoir, c'est que ceux qui ont l'habitude de demander, ce sont les enfants, peuple de Dieu. Ce sont les enfants qui demandent. Mais les fils ne demandent pas, peuple de Dieu. Les fils, eux cherchent Dieu. Mais il y a
catégorie de personnes, peuple de Dieu. Pendant que toi tu pries, pendant que toi tu demandes, pendant que toi tu cherches, et ils ne sont plus à ce niveau, peuple de Dieu. Mais ils sont arrivés à un niveau où lorsqu'ils prient, peuple de Dieu, c'est de frapper à la porte de bénédiction, peuple de Dieu. Et en ce moment, peuple de Dieu, mon père de père, et c'est les fils d'alliance, peuple de Dieu, devant avoir cette grâce de la part des pères, de pouvoir aussi frapper à la porte de la bénédiction, peuple de Dieu. Tu vois, nous sommes enseignés au Père de délivrance. Maintenant qu'on s'est débat, l'homme de Dieu, il est et puis nous regarde. Quand il s'élève, il fait un seul geste, un seul mouvement. Et l'esprit est obligé de partir, peuple de Dieu. Pendant que nous on cherche, lui frapper. Lui s'élève, il frappe une seule fois. Une seule fois, peuple de Dieu. Et le démon est obligé de partir. Peuple de l'arrêt. Ça, c'est une parenthèse. Nous allons lire notre Bible. Actes chapitre 12, à partir du verset, chapitre 12, verset 1 à 29. Tu vas t'amener à comprendre quelque chose, peuple de Dieu. Ce matin, ce que tu vas comprendre, les bénéfices et les avantages de la prière. Je lis la parole de Dieu. Sois attentif à la lettre du peuple de Dieu. Je voulais toucher plusieurs versets, mais l'Éternel m'a fait la grâce de comprendre que tous les points que je vais énumérer se trouvent, peuple de Dieu, dans cette partie de la Bible. Du acte 1er, du acte verset 1er, acte 12, verset 1er au verset 19. Je vais te parler de 9 points. Je vais te parler des bénéfices de la prière, peuple de Dieu. La Bible dit dans le livre de Actes, chapitre 12, à partir du verset 1er, en ce moment-là, le roi Hérode, Agrippa 1er, se met à faire du mal à certains membres de l'église. Il fait tuer par des soldats Jacques, le frère de Jean. Il voit que cela plaît aux Juifs. Alors il fait aussi arrêter Pierre. C'est au moment de la fête des pains sans levain. Hérode fait donc arrêter Pierre et le met en prison. Il commande à 4 nouveaux, à 4 groupes de 4 soldats, de le garder. Il veut le faire juger devant le peuple après la fête de la Pâque. Les soldats gardent Pierre dans la prison, mais les membres de l'église puissant faire Dieu pour lui. On dit les membres de l'église priaient sans cesse pour Pierre. Pendant que Pierre était un prison, peuple de Dieu. On dit Pierre était gardé par 4 groupes de temps. Parce que le roi avait fait quelque chose. Il avait fait arrêter cette éternité de Dieu. Il a quand même tué le frère de Pierre. Réagi. Alors cette fois-ci, son regard va se porter sur Pierre, peuple de Dieu. Mais ce qu'il oublie, c'est que Pierre n'est pas les autres. En ce temps-là, Pierre était le porteur de la vision. Alors le roi va faire arrêter Pierre, peuple de Dieu. En numéro, est sur le point de faire juger Pierre devant le peuple. La nuit avant le jugement, Pierre est en train de dormir en deux sortants. Il est attaché avec Péchette et des gardiens sont devant la porte pour le surveiller. Tout à coup, l'ange du Seigneur est là. Il y est pris dans la cellule de la prison. Premier point, peuple de Dieu. La prière active la présence angélique. Qui te
est présenté dans la prison où nous vient les terres. Dans la soirée où nous vient les terres, peuple Dieu. On dit, il y a une lumière qui a jailli. C'est pourquoi, peuple Dieu, lorsque tu pries et que tu n'as pas activé la présence angélique, il est difficile pour ta prière de monter. Parce que ceux qui montent et descendent avec notre prière, les autres montent, ce sont les autres. Donc il y a eu la présence angélique, peuple Dieu, premier point. Deuxième point, lorsque l'ange était présent, qu'est-ce que l'ange a fait? L'ange réveilla Pierre en lui touchant le côté. Il lui dit, lève-toi vite, alors les chaînes tombent de ses mains. Deuxième point, peuple Dieu, la prière prie fait chair. Celui qui enchaîne, peuple Dieu ne peut pas aller loin. Dieu. Lorsque l'âme était attaché, chaque mouvement était limité, peuple Dieu. Mais pour que l'âme puisse être détachée, il a fallu que je lui dépêche tes serviteurs, qui étaient comme des anges de Dieu. C'est par l'intervention que l'âme a été détachée. Donc c'est vrai que l'ange s'est présenté. Mais l'âme ne peut pas amener bien loin. Longtemps que Pierre était enchaîné. Dans la deuxième chose que l'ange a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé les chaînes de Dieu qui limitaient le mouvement de Pierre, qui empêchait Pierre de se lever, qui empêchait Pierre de marcher, qui empêchait Pierre de faire des mouvements de Dieu. Dans la deuxième chose que la prière fait, c'est que la prière a brisé les chaînes de Dieu qui retenait Pierre. Troisième chose, la prière nous équipe des armes de Dieu. La Bible dit, il lui dit, lève-toi vite, alors les chaînes tombaient de ses mains. À partir du verset 8, on dit, l'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre obéit. L'ange lui dit, mets ton vêtement de dessus et sur moi. Quand nous voyons dans l'île d'Éphésiens 6, quand nous parlons de l'ami de Dieu, peuple de Dieu, si tu n'es pas avec l'exemple de Dieu, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. On va essayer de lire ce verset pour que tu puisses comprendre. Éphésiens 6, à partir du verset 10, il dit, on reste fortifié fou dans le Seigneur. Par sa force toute puissante. Revêtons-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit revêtons-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme des ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Au verset 12. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Au verset 14, il dit, tenez donc ferme, ayez encore vrai la vérité de vos ceintures, répétez la cuirasse de la justice. Il dit la vérité pour ce Dieu. Révêtez la cuirasse de la justice. Donc quand tu vas me dire à Pierre, mets ta ceinture. Il est en train de dire à Pierre, révêtez-toi de la cuirasse de la justice. Parce que Pierre en aura besoin de Dieu. Deuxièmement, il va nous dire ceci. De paix. Le fait que dans l'évangile de paix. Alors, troisième point,
moi. Et que vient suis au verset 16 dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc quand là j'ai venu, et là qu'il a brisé les chaînes, avant de sortir avec Pierre, il lui a demandé de prendre les sens spirituels de Dieu. Mais le plus important peuple de Dieu, c'est de faire sortir Pierre de la prison. Le plus important peuple de Dieu, c'est la liberté de Pierre. Parce que Pierre avait une mission. Pierre avait un travail accompli peuple de Dieu. Donc non seulement l'ange est venu briser les chaînes qui l'empêchaient de faire des mouvements, qui l'empêchaient d'accomplir sa mission, mais l'ange l'a équipé une porte d'affaires qui donne sur la ville. La porte s'ouvre tout seul devant eux, peuple de Dieu. Et ils sortent. Ils vont au bout de la rue. Et tout à coup, l'ange qui Pierre. La prière est la radio infusée pour ceux de l'ennemi. Malgré qu'ils étaient là. Et on avait dépris tout ça, toute son armée. Pour empêcher Pierre de sortir, peuple de Dieu. Mais à cause de la prière, Pierre était invité pour ceux de cet ennemi. De Dieu. Depuis la prison, là où il était enchaîné, les chaînes sont tombées, ils n'ont pas vu de temps. Pierre est sorti de la prison, les gens n'ont pas vu de temps, peuple de Dieu. Pierre a franchi la porte de la prison, et il était présent, les gens ne l'ont pas vu. Mais qu'est-ce qui a fait cela? C'est la prière qui a fait cela, peuple de Dieu. C'est pour le bénéfice de la prière, peuple de Dieu. La prière nous rend invisible aux yeux de l'ennemi. Celui qui est invisible pour nous de l'Esprit de Dieu, les sorciers ne peuvent pas te combattre parce qu'ils ne te voient même pas dans la casserole, ils ne te voient même pas dans les miroirs. Le fétichisme que porte avec ses fétiches, tu peux réduire ses colis, mais toi tu n'apparais pas les portes dans son miroir. Pourquoi? C'est parce que Dieu sera invisible pour tes ennemis. Mais les personnes voient que tu lances là une fois automatiquement. Voilà ton visage qui apparaît. Mais pourquoi ton visage apparaît? Ton visage apparaît parce que tu n'as pas une vie de prière. Une fois je connais un frère Laurent. Et puis il a donné la lancée de vie et un féticheur. C'est la renonciation. Mais il ne pouvait rien le faire. Pourquoi? Parce qu'il était invisible aux yeux de l'ennemi. Il peut plier la tête de Corée, mais il ne peut pas apparaître. Pourquoi? Parce qu'il a fait une vie de prière. Dans la prière, à la vie, Pierre est visible au sein de l'ennemi, peuple de Dieu. Est-ce que tu me suis ce matin? Cinquième point, la prière lève les obstacles. Au verset 10, on dit, si la porte s'ouvre tout seul devant eux, et ils sortent, ils vont au bout de la rue. Et tout à coup, l'ange le dit. On dit la porte s'ouvre tout seul. Parce que les obstacles vont lever de tout seul, peuple de Dieu. Vous allez comprendre que c'est à cause de ça. Avant que Pierre ne sorte, Dieu l'a équipé de ses armes. Dieu lui a donné la foi, peuple de Dieu. Lorsque tu vas en sort comme ça, peuple de Dieu, quand tu vois le portail, quand tu marches, tu es convaincu que lorsque tu vas arriver, la porte sera obligé de souffrir seul. Donc ne t'inquiète pas. Tu ne te soucies pas. Tu marches. Et quand tu vas arriver à un niveau, la porte de Dieu va souffrir seul. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que tu connais que c'est comme ça. Donc si Pierre n'avait pas la foi, peut-être qu'il allait dire à l'ange, non, ce n'est pas la peine, laisse-moi ici. Parce que ce que je vois là-bas, là, faut pas, ils vont me faire du mal là-bas. L'ange lui a permis de tomber de tous ses armes. Parce que la foi lui a permis d'avancer. Et cette foi lui a rendu invisible. Et les obstacles se sont levés tout seuls. Sans même que Dieu ne touche à l'obstacle. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, peuple de Dieu? Quel obstacle qui est devant de toi? Souvent nous faisons dans le service, nous sommes
plus de cas, nos finances reculent. Ta vie est limitée, peut-être Dieu. C'est la limitation qui fait ça. Ce sont les barrières invisibles qui font ça. La seule chose qui peut te permettre de briser tes limitations, de briser tes barrières invisibles, c'est la prière, peut-être Dieu. Sans la prière, tu ne pourras briser tes barrières visibles. Tu ne pourras briser ces chaînes, peut-être Dieu. Aussi longtemps que tu vas rester dans cette position, que tu ne vas pas t'élever dans la prière, il sera difficile pour toi d'avancer. Tu vas voir les autres avancer, les autres triompher, mais toi, ta position est toujours la même. Pourquoi tu es toujours à la même position, peut-être Dieu? C'est parce que tu n'as pas de vie de prière, peut-être Dieu. Sixième point, la prière apporte la délivrance. On dit la prière apporte la délivrance. Au verset 11, on dit alors Pierre se rend compte de ce qui est arrivé et il dit, maintenant je vois bien que ses frères, le Seigneur a envoyé son ange et il m'a libéré et il m'a délivré du pouvoir de Rome. Il dit, il m'a délivré du pouvoir de Rome. Regardez ce que la prière a encore fait, peut-être Dieu. Pierre était programmé à la mort. Parce que Hérode a tué les autres. Il a tué les autres. Personne n'a parlé. Donc il a voulu faire ça aussi à Pierre. Clairement, pour laquelle il a fait arrêter Pierre. Il n'a pas arrêté Pierre pour que Pierre lui prêche l'évangile. Pour que Pierre lui annonce la bonne nouvelle. Mais son objectif, c'est pas de faire mourir Pierre. Mais à cause de la prière, Pierre a été délivré du pouvoir de rejeter de Dieu. Septième point. La prière apporte la protection. Verset 11. Il dit, le Seigneur a envoyé son ange et il m'a délivré du pouvoir de Rome. Il m'a protégé aussi de tout le mal que le peuple juif voulait me faire. Après la délivrance, la prière a apporté la protection dans la vie de Rome, Père de Dieu. J'ai dit qu'il prie, Père de Dieu, il y a une présence angélique autour de lui. Il y a une protection autour de son âme, Père de Dieu. Il y a le feu, Père de Dieu, autour de lui. L'ennemi ne pourra pas avancer. Même si Dieu lui fait la grâce de te voir, mais il ne peut pas mettre la main sur toi. Parce qu'il y a une armée autour de toi, Père de Dieu. Il y a une présence angélique autour de toi. Mais lorsque tu ne pries pas, tu es exposé, Père de Dieu, aux attaques de l'ennemi, Père de Dieu. Il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de bouclier, Père de Dieu. L'ange de Dieu n'est pas auprès de toi. Parce que toi-même tu es éloigné de Dieu. Mais cette prière, Père de Dieu, a apporté une protection à Pierre. Dieu n'était pas arrêté seulement qu'à la prière de la délivrance. Mais Dieu lui a apporté aussi la protection, Père de Dieu. Au verset 8, au verset 18, 8e point, la prière apporte la confusion dans le camp de l'ennemi. Au verset 18, on dit quand il fait jour, il y a une grande agitation dans les soldats, parmi les soldats. Et ils se demandaient ce que Pierre était devenu. On dit qu'il y a une grande agitation. Tous ils étaient paniqués. Tous ils étaient dans la confusion, Père de Dieu. Ils se demandaient où Pierre est passé. L'ennemi est venu comploter contre toi. Souvent même Dieu te parle de ça par grâce. Dieu te révèle cela par des sons. Dieu parle par des serviteurs pour te parler. Tu sais qu'il y a un complot contre toi. Il y a un complot de la sorcellerie qui t'a levé contre toi. Il y a quelqu'un qui est venu comploter contre ton père, contre ton service. Et puis Dieu là, tu ne pries pas. Tu dis non, Dieu va tout faire. Tu dis non, laisse-les faire, ils vont échouer. Mais toi, tu fais quoi pour que les gens là puissent échouer?
n'échoueront pas. La seule chose que Dieu te demande à faire, c'est de te lever dans la prière afin d'apporter la confusion dans le camp. D'apporter le tension dans le camp, Père de Dieu. Parce que aussi longtemps qu'ils ont ordonné, qu'ils ne sont pas confus, ils finiront par perdre leur objectif, Père de Dieu. Mais si tu te lèves dans la prière, la confusion sera empêchée. Dieu t'a parlé de leur camp, Père de Dieu. Mais si tu ne pries pas, est-ce que tu es sûr qu'il y aura la confusion dans le camp? Lève un point. Au verset 19. On dit erreur, le fait chercher parmi, partout, mais on ne le trouve pas. Alors il interroge les soldats qui le gardaient. Et il commande de le faire mourir. Lève un point. La prière apporte la mort de Dieu dans le camp de l'ennemi. Il y a des personnes de Dieu qui tapent les poitrines dans ta famille. Il y a des familles où il y a des gens comme ça. Et maintenant, le gars se lève, la personne se lève. Et puis il dit, tant que moi je vis, tu ne verras pas l'exaucement de tes prières. Tu n'accompliras pas ta destinée, Père de Dieu. Fleurs comme ça, Père de Dieu. Mais tu ne peux pas rentrer à porter de tes bénédictions aussi longtemps que la personne vit. La Bible déclare que la magicienne ne vive pas. On ne doit pas laisser le sorcier en vie, à moins qu'il veuille se repentir, Père de Dieu. Le sorcier n'a pas de pitié. La place du sorcier, même de la sorcière, c'est dans le tombeau, Père de Dieu. À moins qu'il veut se repentir, Père de Dieu. Mais toi, tu es là, tu ne pries pas. Tu ne fais que dormir, Père de Dieu. Tu laisses libre cours à ces géants que tu apprends dans ta vie, Père de Dieu. Tu laisses libre cours, Père de Dieu, à ces sorciers de se lever contre ta vie. La Bible dit dans la ligne d'Esther, Père de Dieu, qu'il y a un homme qui se lève contre le peuple juif, Père de Dieu. Il est levé, il a formulé un projet. Et son projet c'était d'éteindre le peuple juif, Père de Dieu. Son projet c'était de perdre un juif, Père de Dieu. La Bible dit, Mardochée va aller voir sa soeur, sa nièce. Il va lui parler du projet d'Amant. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Au premier moment, elle avait désisté. Mais après, il va lui dire ceci. Qu'est-ce que tu trouves que ce n'est pas à cause de cela? Dieu a permis que tu sois reine. Ne pense pas que tu seras épargné, Père de Dieu. Mais Esther ne peut pas annuler ce projet tant qu'elle n'est pas dans la présence de Dieu. Alors, et tous, ils se sont mis à jeûner. Ils se sont mis à implorer la grâce de Dieu, Père de Dieu. Esther qui ne peut pas entrer dans la présence du roi sans que le roi ne l'a pas fait rappeler. La Bible dit ce jour-là, elle a trouvé grâce au Dieu du roi, Père de Dieu. Esther a trouvé grâce au Dieu du roi. Et là, Satan n'était pas abattu sur elle. Parce que le roi lui a tendu son sceptre royal, Père de Dieu. Et par la suite, Père de Dieu, à cause de les prières, non seulement le décret a été annulé, mais ceux qui ont voulu à leur vie, ils ont été exterminés, Père de Dieu. Et son nom a été positionné. Regardez ce que la prière a fait dans la vie des peuples, peuple de la reine. Il y a longtemps que nous plaignons. Il y a longtemps que nous pleurons. Il y a longtemps que nous lamentons. Nous disons que nous ne voyons rien. Mais si nous ne prions pas, comment est-ce que nous pouvons voir l'exaucement des promesses de l'Éternel? Si tu ne pries pas, Père de Dieu, il sera difficile pour toi de manifester la gloire de Dieu, de vivre les bénéfices que Dieu t'a réservé, de vivre de Dieu comme l'Éternel avait déjà arrêté. Si tu ne pries pas, Père de la reine, tu ne pourras pas témoigner de la grandeur de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. L'homme de Dieu venu, il a dit ceci. Il dit la plus grande puissance que Dieu ait donnée à un homme, c'est la prière, Père de Dieu.
Dans ta prière, il y a une puissance. Dans ta prière, il y a de l'autorité. Dans ta prière, il y a une force. Dans ta prière, il y a un pouvoir de Dieu. Mais si tu ne pries pas, tu ne peux pas voir cela se manifester. Si tu dors, pendant que l'ennemi travaille, l'ennemi aura toujours le dessus. Parce que pendant que toi tu dors, l'ennemi ne dort pas. L'ennemi n'abandonne jamais. L'ennemi ne recule jamais. L'ennemi s'en sort, son objectif, c'est comment faire pour te faire chuter. Mais si tu te lèves et tu pries près de Dieu, l'Éternel t'exaucera. C'est un temple de Dieu. Matthieu arrive à dire ceci. Il dit, lorsque Dieu veut bénir son peuple, il épouse à demeurer dans la prière. Est-ce que Dieu veut réellement te bénir? Je veux dire que oui. C'est parce que Dieu veut te bénir que Dieu a permis que nous puissions prêcher sur la prière. C'est parce que nous devons communiquer quelque chose. Je veux faire quelque chose pour toi. Que tu puisses parler, que tu puisses parler. Qu'on puisse parler de la prière ce matin, Père de Dieu. Il est temps que tu te lèves et que tu commences à prier ton Dieu. Il est temps que tu te lèves et que tu commences à réclamer tes droits. Parce qu'il y a un droit qui te revient. C'est toi, Père de Dieu. C'est la grandeur de l'Éternel sur ta vie, Père de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu sur ta vie. Mais si tu ne te lèves pas, tu ne verras pas cela se manifester plus que la reine. Si tu ne te lèves pas, tu vas toujours te plaire. Tu vas voir les autres ministères avancer. Et nous, on va toujours rester derrière. Si nous ne prions pas, Père de Dieu, on ne pourra pas témoigner de la puissance du Dieu de notre Père. Le Dieu de notre Père est sur le point d'agir. Et ce Dieu agit toujours. Mais ce Dieu attend une seule chose. C'est qu'on se lève comme des vaillants guerriers. Qu'on se lève comme des braves. Et que l'ensemble nous devons la voix vers lui. Afin de réclamer à la terre ce que nous revient. Afin de réclamer à l'atmosphère ce que nous revient. Ce qui te revient, c'est la royauté. Parce qu'en vérité, nous sommes des princes. Il est temps que tu pries. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que peut-être que tu arrêtes de dormir. Que tu arrêtes de te lamenter. Que tu arrêtes de te plaindre de Dieu. Même Jésus priait. Et le matin, les miracles poursuivaient de Dieu. La prière a libéré Pierre de la prison. La prière a libéré de Dieu. Avant la victoire à m'attacher. La Bible déclare que ce Dieu n'a pas changé. Qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement. S'il l'a fait pour eux, il peut aussi le faire pour toi. Mais il ne le fera pas. Tout tu te plais dans la situation que tu vis. Parce que on a tendance à se plaire dans la situation que nous vivons. On pense que ça va chez nous. On pense que c'est bon comme ça. Et on oublie une chose. Dieu ne nous a pas appelés à vivre comme ça. Mais Dieu nous a appelés à manifester sa gloire, Père de Dieu. Dieu nous a appelés à manifester son règne. Dieu nous a appelés, Père de Dieu, à démontrer qu'il est le véritable Dieu. Le monde se moque des chrétiens. Parce qu'on ne prie pas. On dort trop. On se lamente trop. C'est nous, on se plaint. On peut en avoir une arme. L'arme que nous avons, c'est la prière, Père de Dieu. Qu'est-ce que tu attends pour prier? Qu'est-ce que tu attends pour renverser le fondement de ta famille? Tu te plains qu'il n'y a pas de cadre dans ta famille. Mais tu oublies une chose. Peut-être que tu es la personne qui va porter le reflet dans ta famille, Père de Dieu. Tu es le cadre de ta famille, Père de Dieu. C'est ta prière que Dieu attend afin d'éliminer la chaîne de la malédiction. Afin de renverser le temps de ta famille. Mais toi, tu ne pries pas. Et tu te plains que tu n'en vas pas dans ta famille, Père de Dieu. L'Éternel nous attend dans la prière. L'Éternel t'attend, Père de Dieu. Ne te plaît pas dans ce que tu vis. Tu n'es pas appelé à vivre une vie de mendicité, une vie de limitation. Tu n'es pas appelé à vivre une vie de souffrance, Père de Dieu. Il est temps que tu dises tes raccourcis. Il est temps que tu dises qu'il est temps que les choses changent, Père de Dieu. Si tu déclares que les choses s'arrêteront. Si tu te lèves, Père de Dieu, l'Éternel va se lever avec toi. Parce que si longtemps que la main de Moïse était levée, l'Éternel était levé et le peuple avait la victoire. Mais quand la main de Moïse s'abaisse, le peuple avait le dessus sur le peuple d'Israël. Si tu te lèves, l'Éternel se lèvera et tu auras la victoire sur tes ennemis. Est-ce que tu viens acclamer l'Éternel sur la terre? Oh, acclame encore l'Éternel pour te suivre. Je crois.
crois que j'ai fini ma prédication. Je vais te demander de tenir debout, s'il te plaît. Et tu vas répondre une seule chose à Dieu. Ce matin, l'homme de Dieu a dit, soyons précis dans nos prières. Je ne vais même pas te demander plusieurs choses à Dieu. Mais demande une seule chose à Dieu. La vie de prière. Dis à Dieu de te redonner la vie de prière. Dis à Dieu de te redonner la force de prière. De t'équiper des sens de la prière. Dis à Dieu, dis papa, je vais prier. Je vais t'implorer, papa. Je vais te mener dans ta présence. Je vais manifester ta gloire, Seigneur. J'ai besoin d'avoir une vie de prière. Donne-moi une vie de prière, papa. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin, Père de Dieu. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Dis de te donner la vie de prière. Dis à Dieu que tu vas prier maintenant. Fais le vide de Dieu prêt pour lui. Thank you.